Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et pourquoi? Parce que nous sommes enfin sur la démo du remake de Resident Evil 4. Bien évidemment, Shenzhou démo. C'est-à-dire la démo de la tronçonneuse. Vous l'aurez compris, on va jouer au début du jeu. Mettez en 4K, 60 FPS. On va apprécier comme il se doit cette démo. Je rappelle que le jeu sort évidemment à la fin du mois. Et je rappelle qu'évidemment, vous aurez tout un let's play en 4K 60 FPS disponible sur ma chaîne YouTube dès le jour de la sortie. Ça promet d'être exceptionnel. On n'est pas face à un remaster, d'accord? On est vraiment face à un giga remake comme Resident Evil 2, comme Resident Evil 3, mais en bien mieux normalement si tout va bien. Les amis, installez-vous pour un des meilleurs Resident Evil jamais sorti à ce jour, qui a été entièrement remake. N'oubliez pas le j'aime, s'il vous plaît, si vous avez, comme moi, hâte de mettre la main ou de regarder le let's play. N'oubliez pas le commentaire aussi, ça fait extrêmement plaisir et ça soutient, ça aide beaucoup. On est parti, Resident Evil 4, on lance la démo, c'est maintenant. C'est pas encore maintenant. Ah, c'est pas encore maintenant. On voit déjà avec le fond que ça a été refait. Je vous invite, d'ailleurs, si vous le souhaitez, à pourquoi pas aller voir le let's play de Resident Evil 4 original que j'avais refait sur PlayStation 4, il me semble. Il y a déjà de cela quelques années. Allez, c'est parti. On va tester cette démo. 30 septembre 1998. Une date gravée à jamais. Le flic en moi est mort ce jour-là. Cette nuit-là, Raccoon City a été détruite à cause des armes biologiques créées par Umbrella. J'ai réussi à m'en sortir, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Ensuite, on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret. C'est pas comme si j'avais eu le choix. L'entraînement, les missions éprouvantes ont presque eu ma peau. Mais au moins, ça m'a permis de penser à autre chose. Si seulement je pouvais oublier cette nuit-là, la douleur, ne serait-ce qu'une seconde. Cette fois, ce sera différent. Il le faut. Six ans se sont écoulés depuis que Leon S. Kennedy a réchappé de l'incident de Raccoon City, une catastrophe biologique sans précédent causée par Umbrella Corporation. Après s'être distingué en tant qu'agent spécial au service du gouvernement américain, il se voit confier la mission de retrouver la fille disparue du président. Les recherches l'amènent dans un village isolé d'Europe où la jeune fille kidnappée aurait été aperçue pour la dernière fois. Rien! Pas même son traumatisme passé n'aurait pu préparer Leon au cauchemar et à la folie qu'il allait y trouver. Bon, je pense que ce texte n'aura pas sa place dans le jeu final, étant donné qu'on n'a pas, ils ne veulent pas nous montrer apparemment la première cinématique. On va donc direct être TP là où il y a eu l'accident, entre guillemets, de voiture. Je vous invite d'ores et déjà, et une fois, évidemment, quand vous aurez fini cette vidéo, hein, me quittez pas tout de suite, à aller voir Resident Evil 2, le remake, hein, si vous voulez être en pleine actu avec cette démo et si vous voulez être à jour avec le jeu complet quand il va sortir. Les amis, nous sommes sur Resident Evil 4, ça y est, nous avons évidemment le fameux manteau de Leon S. Kennedy. On va pouvoir découvrir, donc normalement, c'est le tout début du jeu. Il y aura une cinématique, hein, évidemment. Même pas, c'est pas le tout début du jeu, parce que normalement, on découvre... Ok. Normalement, on découvre la première maison, la fameuse maison avec la personne... Avec la personne, vous savez, sur sa cheminée. Oh ouais, c'est trop bien dirigé, par contre. Quel bonheur. Ok. Là, il y a du barbelay. Ok, alors, qui dit le démon de la tronçonneuse, c'est qu'en fait on va vivre... Mais où est-ce qu'il est passé?
l'arrivée au village hein, où on doit survivre quelques minutes, soit on arrive à tuer l'homme à la tronçonneuse, soit juste on court et on survit. Oh, ça y était pas, ça. Ok. Ok. Un petit sacrifice des familles. Ça, c'est une belle bichette, ça. Ok. Très bien. Parfait, ça passe. Oh putain, si. On va découvrir la face dans la maison. Oh là 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 là. On va découvrir la face dans la maison. Oh, trop bien. Oh, trop bien. Je crois. Enfin, je crois hein, que c'est la toute première maison. Mais là, j'ai du mal à reconnaître. Et pourtant, je connais le jeu par cœur. Hein. Je l'ai fait bien plus d'une dizaine de fois, je pense. Ah ouais. Oh, l'ambiance. Oh, l'ambiance. Ah, c'est bien obscur, sa mère. Ok. Yes, c'est la première maison. Y a quelqu'un ? C'est la première maison. Waouh! Oh! Normalement, c'est là où il y avait la cheminée. Même pas. Oh, ils ont tout refait. Waouh! Ok! Qu'est-ce qu'on a là? Amulette grossière. Le jugement approche. Ok. Très bien. Le jugement approche. Oh, j'ai peur de mal viser, hein. J'ai peur de mal viser dès le début. Ok. Et normalement... Oh. Attendez, il y a un bail. Oh putain, non. Ok, c'est là où on va affronter notre premier... Désolé d'être entré comme ça. Busco a un policía. Dino aquí. Ok. Ok. C'est la merde. Ok. Oh, regardez comment il tient son flingue. C'est drôle stylé. Ah, ça chlingue. Ok. Très bien. Il y a le cut, superbe. Bien. Bon, il y a un mec, il a crié les refs, c'est chaud. Police nationale Mario Fernandez Castano. Agent de police. Donc, c'est lui qui était dans la voiture. Je suppose. Je suis pute, je dirais même. Ok, bon. Attends. On sait jamais. Ok. Ok, let's go. Oh là 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 là. Normalement, il y a un étage dans cette maison. On pourrait même se barrer par la fenêtre. Oh, trop bien. Oh, c'est trop stylé. On est d'accord que dans Resident Evil 2, il tenait pas sa torche comme ça. Eh, j'ai l'impression que c'est le Resident Evil 4 qu'on a jamais eu avec les esprits. Il tenait sa torche comme ça dans les démos. Mais dans Resident Evil 4 aussi, tout court. Ok. Oh putain, je me suis chié dessus. Ok, let's go. Oh, c'est tellement plus sombre. Oh, c'est tellement plus sombre. J'écoute.
Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Ok. Ça a l'air obscur, sa mère. Hein. C'était quoi? Wesh. Eh, je connais le jeu de base par cœur. Oh putain. Putain, je crois pas. Quand on pense avoir tout vu. Oh putain. Eh, je connais... De base, je connais le jeu par cœur. Je ne peux... Je vous le dis. Allez voir mon let's play. Je le connais tellement par cœur, les amis, que j'ai one-shot le boss avec une roquette. Zéro frisson. Mais là... Et la seule fois où j'ai eu peur dans Resident Evil 4, c'était un bug, souvenez-vous, le bug de la grenade. Oh, mais là, ça va être incroyable, hein. Je lui ai brisé la nuque. Le yeuve. Oh, c'est chaud de fou. Oh là 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 là. J'ai du mal à viser presque. J'ai plus l'habitude, hein. Oh putain, merde. Qu'est-ce que c'est? Ok. Moi, je suppose que je dois partir par là-bas. Non? Non, même pas. Attendez, je dois me barrer par où, là? Je comprends pas. Par là? Ok. Ah, l'étage! Let's go. Alors, ici, à l'époque, il y avait des... Voilà. Il y avait des trucs. Il y avait des trucs, frère. Ok. Donc, ça, c'est la carte. À la limite, je m'en fous. Très bien. Ah, c'est ça qui m'intéresse. Sugoi. Ok, on peut pas le mettre en guise de raccourci. Très bien. Ok. Là, y a plus rien. Ok. Bonsoir. Ici Condor 1. Ici Hannigan, du nouveau? La fille du président, Eglon. Elle est sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. Il me faut l'itinéraire vers un lac. On l'a peut-être emmené là-bas. Compris. Je vais voir ce que je peux trouver. Dépêche-toi. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. On escorte... J'y aille, je te rappelle. Ah! Ils vont pas me laisser face à trois mecs. Ok, je me casse. Ah, ok.
Ah, on sort par derrière la maison. Ok. Alors qu'avant, on sortait par le devant, tout simplement. Il n'y avait pas vraiment d'arrière ou autre. Donc, même le chemin a un peu changé. Et là, dans le jeu de base, si j'avais gardé quelques munitions, j'aurais pu tirer sur des corbeaux. Wow, mais qui perd tout sang, frérot? C'est pas humain, ça. Oh, putain. Ah, il y avait aussi la grosse boule, là. Le caillou, là, qu'on me... Oh, bâtard. Bâtard, lui, je suis sûr. Les gars, faut que je me laisse. Faut que je me garde impérativement une balle. Yes. Quoi? Vous avez vu ce qu'il a dit? Lord Sadler. Ok. Ah, petite save. Oh, les bâtards. Ah, des vrais coups de pied maintenant, hein, frère. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oh, les bâtards. Il en faudra 5. C'est embêtant. Ah, putain. Regardez, 10 plus 1, ça veut dire que j'ai mis une balle dans le canon. C'est ça? Ok. Yes. Les corbeaux, ils lâchent des bails. Très bien, c'est bon à savoir. C'est une démo, les amis, donc faut essayer plein de trucs. Oh putain, il y en a plein d'autres. Des pesetas, superbe. Bon, 100 pesetas, les gars. Hein. Ça, c'est... C'est 1 dollar. Ok, je me souviens d'une maison qui traînait adossée à la colline. Ok... Attendez, il n'y avait pas de... Il n'y a pas... Parce que souvenez-vous, il y a aussi les médaillons bleus. Hein. Et moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était les bijoux. Les... Oh! Trop bien. Il y avait un piège. C'est vrai que j'avais oublié, il y avait aussi des pièges à loups. Ok. Ok. Il va falloir un... Ah ! Oh là là, je me suis chié dessus. Bien. Bordel. Quand on rentre sur la piste... Ah ouais... Je me souviens de toi, mon biche. Voilà, alors on est abruti. On part ici. Voilà, mon gars. Tu crois que je connais App ou quoi? Allez, dégage. Grenade aveuglante, incroyable. Oh, herbe rouge, incroyable. Oh oui. Oui, messieurs, dames. Oui, messieurs, dames. Le b-boy que vous aimez voir sur Resident Evil est de retour. Allez, mon pote, c'est pas à moi que tu vas apprendre le jeu. T'inquiète pas, mon gars. Allez. C'est le mélange le plus puissant, normalement. Fabriquer. Ça, je peux toujours rien faire. Ça, c'est bien dommage. Ok. Par contre, regardez. Et ça, ça fait peur. Le couteau, là. Le couteau, il a de l'usure. Aïe, aïe, aïe. Donc, il y aura des couteaux plus puissants et plus résistants avec une meilleure vitesse d'attaque. Ok. Alors, ça, par contre, sacrée nouveauté. Hein. Avant, on avait un couteau point.
Mais là, il y a de l'usure. Sacrée nouveauté. Ok, ça me plaît. Ah! Il y a quelques têtes là-haut. Il y a Anguille sous roche. Ok. Ah, il y a plus... Ah ouais. Yes. Ok. Bon! Oh putain. On peut plus l'aider, les gars. On va voir si... à quel niveau on peut se la jouer, entre guillemets, infiltration. Oh, c'est trop bien. Ça, on pouvait pas, ça. C'est trop bien. Je suis aux anges. Je suis aux anges. On peut faire de l'infiltration. Ok. Les poules, elles peuvent lâcher des œufs, hein. Il y avait la vache qu'on pouvait provoquer. Ça, normalement, on peut rentrer par-dessus. Ou en tout cas, en sortir. Ok. Oh, c'est trop, trop bien, les amis. Oh là 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 là. J'espère que vous êtes... J'essaye de voir s'il n'existe pas moyen d'avoir une sorte de... Je sais pas, changer d'épaule. Ok. Ok, 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 ok. Ok. Là, on a vraiment l'impression... qui vivent, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, bien plus qu'avant. Ok, ils vont appeler tronçonneuse man. Là, on va rigoler. Let's go. Putain, j'y crois pas. J'ai bien fait de venir. Oh non. Ok, alors... Vas-y, hein. Ok. Ça, c'est cool. Regarde, regarde, mon pote. On passe pas. Allez. Au devant. Regarde, mon pote.
Ok, let's go. Allez, on repart. Pardon. Allez, hop. Yo les gars, ça va ou quoi? Aïe. Oh, tranquille, l'accueil. L'accueil, il est pas fou, frère. Oh, Star. Les problèmes. Wow, 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 wow. Oh non, je suis mort. Wow. Il y a beaucoup plus de monde que prévu, mon ref. Depuis quand? Oh non. Ok, salut mon ref. Hein? Nouveau. C'est nouveau, c'est nouveau. C'est une blague. Oh les bâtards. Ah. Oh la vache, la vache. Elle prend feu. Oh. Ok. Oh, comment c'est chaud. Ok. Oh, salut mon pote. Wesh. Non mais attendez, avant on pouvait s'en sortir, mais là. C'est chaud de fou. Oh, c'est chaud de... C'est des zinzins. C'est chaud de fou. Ok. Ok, 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 ok. T'inquiète, mon pote. Ok, je peux pas construire. Tu peux... Vous pouvez vous inquiéter, les amis. Oh, vous pouvez vous inquiéter, les amis. Ok. Non, sérieux? Ok. Wow. Oh là là. C'est des zinzins, c'est des... Oh là là. Oh les zinzins. Mon frère. Oh non, je suis mort. Yo les gars. C'est trop, c'est trop. Qu'est-ce que tu vas assumer ça, mon pote? Hein? Mais non, mais faut que je tire, faut que je tire. Oh là là, on a réussi à survivre, mais oh là, tuer le mec à la tronçonneuse, ça va être dur. Eh, 5 cartouches de pompe, un chargeur de pistolet, une grenade, il est pas mort. C'est chaud de fou. C'est chaud, ça va être bien plus chaud que le Resident Evil de l'époque. Tenemos que servir. Sadler Todopoderoso. Thank you.
est-ce qu'ils vont tous? Il y a une fête. Ok, 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 merci pour l'expérience. Bon, argent obtenu, c'est pas dégueu. Ennemi tué, 15. Temps de complétion, 21 minutes. C'est donc pas si dégueu que ça. En vrai, c'est plutôt cool. Merci d'avoir joué. Écoutez, cette démo était un véritable régal. Waouh, il y a tellement de choses qui changent. J'espère que tout comme moi, vous êtes hype. Le 24 mars, ça arrive. Bientôt, 14 jours seulement. J'aurai terminé normalement, si tout va bien d'ici là, Dead Space, voilà. Et après, on ira sur Resident Evil 4 Remake. J'ai trop hâte. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. À bientôt tout le monde pour la suite et le début de cette nouvelle aventure. Bisous tout le monde. Bye bye.